Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai eu le plaisir d'aller chercher mon Sony A7 IV. D'après Photogalerie, je suis une des premières en Belgique à avoir été chercher. Donc je me suis dit, autant vous en faire profiter avec moi sur le temps que je le déballe. Donc on va commencer l'unboxing de ce petit Sony A7 IV qui personnellement me fait trop envie. C'est vraiment enlever le papier. Dans la première partie, on retrouve directement le petit manuel qu'on a l'habitude de voir. La prise européenne et la prise américaine. On retrouve une petite sangle de Sony. Oh, elle est ouf. On a un petit sachet blanc dans lequel on retrouve une batterie. Les batteries qui sont les mêmes que l'A7 III, l'A7 S3. Deuxième petit sac dans lequel on retrouve l'adaptateur pour pouvoir faire charger l'appareil photo. On retrouve un gros câble USB 3.2 vers USB-C. Ce qui peut être très pratique pour utiliser l'appareil pour stream. Merde, ils ont oublié l'appareil. Et maintenant, c'est pourquoi vous êtes sur la vidéo normalement. Le très beau Sony A7 IV. On va garder juste la face avant pour l'instant. Je vais d'abord enlever le carton. Une des différences par rapport à l'A7 III, c'est que sur l'A7 IV, sur la face avant, ici vous pouvez voir que le capteur est protégé grâce à un petit rideau. Chose quand même très très pratique. Parce que personnellement, étant assez flippée quand je change mes objectifs, ça me fait toujours peur qu'il y ait une poussière qui se dépose sur le capteur. Du coup, ici à la face arrière, ce qu'on peut retrouver de très différent et qu'on est très content, c'est l'écran qui s'ouvre sur le côté et qui en plus pivote, si ça c'est pas beau. Et qui en plus de tout ça est totalement tactile et on va pas se mentir, ça fait plaisir. Ce qu'on peut voir comme différence aussi, c'est que ici, le petit joystick pour déplacer le collimateur a changé de look. Forcément, moi je le trouve pas plus agréable. Moi pas. Une des différences qu'on peut noter ici sur le dessus, c'est le petit bouton d'enregistrement qui a changé de place et qui nous fait très plaisir d'ailleurs. Également la petite molette supplémentaire. Et en plus avec un petit cran de verrouillage. Parce que par exemple, si on programme sa balance de blanc sur cette petite molette, mais que pendant qu'on filme, on vient toucher à la petite molette et que la balance de blanc, elle est totalement modifiée, on a envie de pleurer. Donc c'est pratique d'avoir un petit verrouillage. Cette A7 IV est toujours stabilisée sur 5 axes. Et une différence qu'on peut également noter, c'est qu'il y a 9 mégas. Une différence qu'on peut noter sur cet A7 IV, c'est qu'il a 9 millions de pixels en plus que l'A7 III, ce qui nous fait un total de 33 millions de pixels, ce qui fait quand même plaisir. On peut voir qu'on a le mode photo, vidéo et SQ. Je crois qu'on a fait le tour de l'appareil photo à nu. Je pense qu'on va pouvoir mettre une batterie et un objectif pour pouvoir tout simplement l'allumer. Ah oui, si on oublie la carte mémoire, ça ne va pas le faire non plus. On va mettre la petite batterie, la petite carte mémoire, et le petit objectif. Une des choses quand même qu'on peut noter, c'est que le déclenchement est un peu plus sourd que sur l'A7 III, donc on soit un petit peu moins remarqué, surtout quand on aime le mode papal.
Une chose aussi qu'on peut noter par rapport à l'Asset 3, bah, c'est qu'il est beaucoup plus léger et que bah, grâce à la caméra qu'on met ici sur le côté, on peut très bien le porter pour vlogger. Oh, c'est beau. Ah, c'est cool. Comme ça, bah, vous avez votre retour direct. Coucou, vous vous voyez. Coucou. Honnêtement, quelque chose à laquelle vous ne pensez peut-être pas, messieurs, grâce à cet écran qui se retourne, quand on est maquillé, si on a envie de ne pas avoir de maquillage dessus, c'est très pratique qu'il se retourne dans ce sens-là. Je vais m'empresser d'aller tester ce Sony A7 IV, puisque j'ai très envie d'aller voir ce qu'il donne en photo, entre autres en macro. Pour toutes ces photos, je vous retrouverai sur Instagram. Mais je pense aussi faire un test vidéo, sûrement pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram si vous voulez déjà voir quelques belles photos de ce petit bijou. Vous pouvez retrouver le lien en description ainsi que ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour savoir quand le test du Sony A7 IV sera en ligne. Sur ce, à plus. Je sais pas moi.